Cette année, je suis avec mes potes. C'est pas mes potes qui vont me faire des câlins, tu vois. C'est pas... Mon pote, il va pas me gratter le crâne avant de dormir, tu vois. C'est chelou si ça se passe comme ça. Ouais, c'est ça, ça sur un punchline. Mon premier projet Enfant de la rue, volume 1, totalement disponible de partout. Si tu l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. Et je vois l'argent sale qui m'appelle. Je me souviens du Yankee de la veille. Touche la rognard pour l'oseille. Du 93 au 6-9, c'est la même. C'est important dans une vie. Après, c'est pas toutes les relations qui se passent bien. Il y a des relations qui sont comme ça, il y en a, elles sont comme ça, franchement. C'est la vie. Bah, dans la vie d'un homme, ouais, c'est important. Parce qu'on a, on a tous ce besoin, tu vois. On a tous ce besoin de, je sais pas, de tendresse, d'attention. Tu vois, c'est pas... Toute l'année, je suis avec mes potes. C'est pas mes potes qui vont me faire des câlins, tu vois, c'est pas... Mon pote, il va pas me gratter le crâne avant de dormir, tu vois. C'est chelou si ça se passe comme ça. Tu fais des trucs gros chelous. Gros chelous. Trucs gros chelous. La femme parfaite. C'est ma mère. C'est même pas qu'entre les artistes, hein. C'est entre nous tout court dans la vie de tous les jours, mon frère. Ça, c'est la mentalité de chez nous. On est assez renfermé, on est spécial, on n'aime pas la nouveauté, on préfère rester dans nos classiques, tu vois. C'est pas la ville du nouveau Lyon. C'est pas qu'on n'aime pas se donner la force, frérot, c'est que moi, si demain, toi, t'es un rappeur de Lyon et je te donne la force, les autres, ils peuvent dire ouais, moi, je lui donne pas de force à Ange parce qu'après, il va penser que je le suce. Tu vois, c'est comme ça. À Lyon, on pense comme ça. C'est pour ça que les gens ils se partagent pas entre eux. Moi après je m'en bats les couilles, t'as vu, je pense pas comme ça. Ça veut dire moi j'aime bien, je mets un like, je partage, tu vois, je m'en fous. Ça coûte 10 secondes dans une vie, je m'en fous. Il y a beaucoup de talent chez nous, les gens ils savent pas. Il y a beaucoup de talent. Un petit lyonnais aussi, hein, refermé hein, un peu. Si tu veux être collant et tout, c'est pas possible. Lacoste frère. Ça va frère le boss, tu es en mode Lacostéenne et tout. Moi ouais. Lacostéenne le frère. Lacoste, Azix, TN, Nike, c'est tout, hein. Adidas pour les maillots. Ouais, devant mes yeux, ouais, ils ont déjà frappé des gens, tout ça, ouais, normal. Clairement, après moi, ils m'ont déjà mis un petit coup, tu vois, mais ça m'a, j'ai pas eu de séquelles, j'ai rien eu, tu vois. C'est vrai qu'ils profitent en mode du fait qu'ils fassent partie de la police, ils en profitent. Après, c'est pas tous les policiers qui en profitent, il y a des policiers qui sont comme ça. C'est comme l'amour, c'est comme ça et comme ça. Je vois une patrouille de keufs qui passe devant le bâtiment. Mon enfant, je l'ai passé devant le bâtiment. Je te souhaite que le tout puissant nous épargne du châtiment. Je te parle de ça, mais je suis bourré dans le bâtiment. Ouais, déjà, faudrait arrêter les contrôles aux faciès, tu vois, les trucs comme ça. Trucs balourds, tu vois, on a plus 10 ans et demi pour se faire contrôler tous les jours. J'étais choqué quand j'ai vu la vidéo, moi, je te mens pas, frérot. J'étais choqué. Parce que les policiers, ils savaient même pas qu'ils étaient filmés. Tu vois, ils auraient su qu'ils auraient été filmés, ils l'auraient attrapé dans un autre coin. Dans un coin où c'est pas filmé. C'est comme je t'ai dit, frérot, il y a des cons partout dans la rue. Tu vois, dehors, il y a des cons partout. Franchement, le rapport avec la police, franchement, il n'y en a pas, frérot. Il n'y a pas de rapport avec eux, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. C'est, ils viennent, ils se les couilles. Ouais, c'est important, c'est parce que c'est ce qu'on vit tous les jours. Si je le vivrais pas au quotidien, je crois pas que j'en parlerais, frérot. Je te mens pas. Malheureusement, ouais. Fréquemment, ouais. Partout, hein. À Paris comme à Lyon. Hein. Ouais, c'est ça, ça sur un punchline. Mon premier projet Enfant de la rue, volume 1, totalement disponible de partout. Si tu l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter.